Situé au cœur du bocage vendéen à deux pas du Puy du Fou, le canton de Mortagne-sur-Sèvre regorge de nombreux atouts culturels et touristiques. Cette diversité lui vient en partie de la Sèvre nantaise qui sillonne son territoire. Le charme de ses paysages vallonnés et la richesse de son patrimoine historique en font un lieu agréable à vivre et plaisant à découvrir. Chaque année, les visiteurs viennent en nombre parcourir le canton. Prenons ce jeune vacancier. Il s'appelle Pierre et n'a pas encore choisi son mode de déplacement. Eh bien, ce sera le vélo. Pour son séjour, il a besoin de se loger. Plusieurs choix s'offrent à lui. De l'hôtel au gîte, en passant par la chambre d'hôte, sans oublier le camping. Maintenant qu'il est équipé et installé, Pierre est prêt à partir à l'assaut des chemins de randonnée de notre belle région. Et oui, notre ami a oublié l'essentiel. Pour profiter à fond de son séjour, il faut un minimum d'organisation. Une halte à l'office du tourisme s'impose. Là-bas, on le conseille sur les visites, les sorties ou les animations à ne pas manquer. Bref, Pierre n'a pas le temps de s'ennuyer. Cette fois, Pierre est totalement informé et part à la découverte de la ville sainte de la Vendée, Saint-Laurent-sur-Sèvre. Se promène sur les pas de Louis-Marie Grignon de Montfort, dont le tombeau se trouve dans la basilique qui porte aujourd'hui son nom. Pierre continue son voyage historique à Tiffauges, où le château de Gilles de Rais lui dévoile ses moindres secrets. Édifiée au XIIe siècle, la forteresse abrite aujourd'hui un étonnant conservatoire de machines de guerre médiévales unique en Europe et attire chaque année plus de 40 000 personnes. Son périple à travers les époques l'amène même à voyager à bord d'un train à vapeur. Les vallées et viaducs traversés par la vingtaine de kilomètres de voies ferrées émerveillent chaque année nombre de passagers. Pierre, notre vacancier, peut difficilement passer à côté de la Cité des Oiseaux au Landgenusson. Ce parc ornithologique est un havre de paix de 54 hectares situé au centre de grandes zones de migration. Pour les amoureux de la nature, le canton de Mortagne regorge de chemins de randonnée en bord de Sèvre, ombragés, adaptés à tout type d'activité, de l'équitation au VTT en passant par l'escalade. La richesse du canton vient également du passage de la Sèvre nantaise le long de ses 12 communes. Pierre peut donc se laisser glisser à bord d'un canoë au fil de la rivière. Il arrive dans une petite cité de caractère du nom de Malièvre. Caractérisée par ses anciennes maisons de maître et de tisserand en grande partie rénovées, Malièvre ne laisse pas indifférent. Vacances et culture ne sont pas incompatibles. Notre jeune vacancier a donc à sa disposition lectures et expositions diverses. Mais ce sont quand même les vacances, alors il peut aussi s'amuser et aller voir des concerts et des spectacles en tout genre. Si jamais notre vacancier a encore du temps, il peut juste se laisser dorer au soleil, bouquiner tranquillement ou tout simplement se laisser bercer au rythme des clapotis de la Sèvre nantaise.